qui sera l'entreprise de l'année 2014. Le jury en décidera. Ils sont dynamiques, critiques, tranchants et ils passent les finalistes au crible. Les finalistes ont soumis de volumineux dossiers et des présentations très pertinentes pour s'attirer les faveurs du jury. Je crois qu'on a vu aujourd'hui 4 excellentes présentations. Les présentations étaient exceptionnellement passionnantes et émouvantes. Et c'était vraiment intéressant de voir leur enthousiasme, leur énergie et en même temps leur vision qu'ils ont développée par rapport à une entreprise ou par rapport à un produit. Elles ont été le reflet de la personnalité de chaque entrepreneur et de l'identité de chaque entreprise. Le jury discute à l'infini pour dire qui va être le vainqueur. Le jury de l'entreprise de l'année débat avec beaucoup de subjectivité, c'est le but. Et les débats sont parfois assez vifs, avec des points de vue parfois très opposés. Ça rend les choses encore plus intéressantes. La décision du jury a été extrêmement difficile à prendre parce qu'on aurait envie de couronner les 4. L'entreprise que nous avons désignée comme gagnant du prix de l'entreprise de l'année 2014 est un très très bel exemple pour tous les futurs créateurs d'entreprises et tous les dirigeants d'entreprises de Belgique. Ce sont des entreprises qui portent loin les couleurs de la Belgique, un certain nombre de valeurs d'entreprises belges qu'on a envie de défendre. Et nous espérons que le prix va pas seulement aider l'entreprise à être connue en Belgique, mais aussi à se développer à l'international. Mais la question est, satisfont-ils aux principaux critères pour décrocher le titre de l'entreprise de l'année? Qui ont-ils choisi pour devenir l'entreprise de l'année 2014?